Alors, on a fâché le ciel, on va s'attirer les clémences du ciel en faisant une bonne cuisine. Et c'est Patricia qui est avec nous. Bonjour Patricia Miguet. Bonjour. Comment Vincent. Ça va? Ça va très bien. Merci d'être venue, d'avoir bravé les conditions, vous aussi. Alors, Patricia, elle est là pour nous parler cuisine sous un angle un petit peu truc et astuce. On va dire, en tout cas, apprendre, enseigner des choses que vous ne savez pas forcément chez vous. Et qu'est-ce qu'on va faire comme recette, Patricia? Alors aujourd'hui, on va faire du local, bien sûr. On va travailler la truite du Vercors. Oh, la truite magnifique. Du Vercors, le Vercors drômois. Voilà, truite qui est déjà bio. En filet, là. Oui, qui est déjà tiré en filet. D'accord. Par mon super poissonnier. Ah oui, il vaut mieux. Il balance, hein. Voilà. Et puis, il faut épiler les truites un petit peu. Hein. Voilà. Pas à l'extérieur, à l'intérieur, les amis. Bien entendu. Oui, avec une pince, on enlève donc les arêtes délicatement. Et on va les servir avec quoi? Alors, on va les cuire délicatement, parce que c'est un produit qui est délicat. Donc, en vapeur, moi, c'est ce que je propose, pour garder toutes les saveurs, etc. D'accord. Et la garniture? Et la garniture, ça va être des racines donc locales. Elles sont loin. Approchez-les-moi, parce que là, je ne les vois pas du tout. Si on peut les poser sur la plaque, voilà. D'accord, on a des carottes. Donc, il y a du pané. Le pané, j'adore. Voilà. C'est un goût de carotte un petit peu fort, hein, si tout vous ne connaissez fait. Pas le panais. Un peu sucré. C'est un légume ancien qui revient au goût du jour et c'est tant mieux. Donc et là-bas, qu'est-ce que vous avez dans votre bol, Patricia? Alors, du risotto, on va faire... du petit épeautre. On va faire un risotto de petit épeautre. Ah, le petit épeautre. Voilà, ah, petit épeautre. Un producteur dans la Drôme. D'accord. Qui fait du petit épeautre bio et que j'utilise dans mon restaurant. C'est un super, super produit. Voilà. On a fâché le ciel, je vous le dis ici à Valence. Le ciel est très en colère. Je ne sais pas ce qu'on a dit, mais c'est encore rien à côté de ce qu'on va vous dire au cours de l'émission. Merci. Partons du côté de la cuisine avec Patricia. Ça avance? Voilà. On met le risotto en cuisson. J'ai fait revenir des Alors, c'est de l'épeautre. Hein. L'épeautre, c'est un blé rustique, on peut dire? Oui, tout à fait. C'est l'ancêtre du blé, en fait. Ouais, j'ai tendance à hurler parce que comme j'entends rien, je sais comment ça fait. Alors, j'ai essayé de me calmer tout de suite. Hein. Donc, de l'épeautre, c'est un blé rustique qu'on traite comme un riz, là, du coup. Oui, absolument. Voilà, Donc là, on a fait revenir un peu de beurre et des oignons. Ensuite, on nacre, vous voyez. Et on va mouiller avec un petit vin, de la même façon que n'importe quel risotto. Quoi, par exemple? Un petit crosse, par exemple. Un crosse blanc? Oui, un crosse blanc. Et ça sent déjà très, très bon, hein, Patricia? Dites donc, on avait la pluie autour, puis là, je suis dans la vapeur. C'est bien parce que ça va pouvoir... Ça réchauffe. Non, mais pour la peau, c'est excellent. Hein. Ça ouvre les pores, hein. Ça va pouvoir nettoyer. Je fais un petit désincrustage. Moi, pour moi, c'est moins drôle. Je vois plus rien. Ah oui, avec les lunettes, c'est un peu embêtant. Entre Vincent qui n'entend pas et vous qui ne voyez pas, on est bien. Ouais. Ah non, mais là, de toute façon, c'est les conditions du déluge. Hein. Ah, ça voilà. Manquait un peu de vapeur en même temps. C'est une émission donc sourde et aveugle que nous proposons aujourd'hui à midi en France. Un truc très nouveau. Le gars tout seul perdu dans les éléments. Voilà. Donc on a également préparé un petit bouillon avec les épluchures de légumes. Je montre le bouillon. Une petite source de vapeur en plus. Hein, des fois que ça manque. Donc on l'a fait avec les épluchures de légumes. D'accord, j'ai peut-être essayé. Voilà. J'essuie la caméra. Ouais, bah. Il a commuté juste au moment où j'étais sur la manche. Ah là, ça y est, c'est bien là. Ah oui, c'est bien. Ah, c'est brillant comme image. Bon, je vais la reposer. Je signale à Laurent Daume, notre réalisateur, je repose ma caméra qui est assez inopérante. J'ai l'impression de filmer sous l'eau. J'ai refait les images de l'équipe Cousteau autour de la cuisine. Merci Patricia. Mes chers amis, Patricia Miguet qui cuisine pour nous. De la cuisine locale, hein, les truites du Vercors drômois. Eh bien, Patricia, où est-ce qu'on... Oh là là ! Ça, c'est beau, ça. Qu'est-ce que c'est ? Alors, ça, c'est un beurre noisette, mais revisité, puisque j'y fais infuser un petit peu du gingembre et des zestes de citron vert. D'accord. Mais pourquoi est-ce qu'il prend cette couleur, en fait ? On dit beurre noisette, c'est le goût, c'est la couleur, c'est quoi ? C'est les deux. Donc, on va faire chanter le beurre, en fait. Ouais. Et ça va être le moment où le beurre sera prêt. Attendez. Quand il va commencer à arrêter de chanter. Faites silence, on va écouter le beurre chanter. Est-ce qu'on l'entend ? C'est le micro qu'il faut mettre sur le beurre. Là, c'est difficile avec la pluie. Oh oui ! On l'entend. On entend le beurre qui chante. Moi, vous savez, le matin, j'écoute pas le rossignol, j'écoute le beurre.
Ça y est, on commence à l'entendre mieux. C'est là. Le beurre du pain perdu qui chante dans la voile. Chacun sa poésie, hein. Chacun sa poésie. Jean-Seb, je pense que... Et c'est Anne-Marie qui m'a prêté son chapeau de pluie. Écoute, Jean-Sébastien Petit-Demange, toi qui étais jusque-là le spécialiste du patrimoine dans l'émission, désormais tu vas faire modiste, je pense. M'occuper du lifestyle, oui, de la mode. Tu as du style, clairement. Magnifique ce beurre qui chante et qui devient noisette, et c'est ça qui va donner du goût. Voilà, hein, tout également à fait. Parce que ça va prendre un goût absolument merveilleux. Et à la fin, on va y rajouter un petit peu de jus de citron vert. Oh là 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 là, gingembre, citron vert, ça va apporter au poisson ces petits arômes exotiques, cette fraîcheur qu'on attend sur un plat comme celui de Patricia. Alors justement, on a avec nous Yann, qu'on vous présentait il y a un instant. Alors Yann, région de maraîchage, région de verger, région bénie des dieux, ce sillon rhodanien pour... d'ailleurs, c'est ce que nous disait Sylvie Bonnel au cours de l'émission, avec des conditions climatiques qui aujourd'hui sont un petit peu compliquées. Vous avez mis les bottes ce matin pour aller chercher des raves? Ben, je pensais ne pas mettre les bottes aujourd'hui, effectivement, pour venir à la télévision, mais j'aurais peut-être dû. Vous nous détaillez ce qu'il y a en 30 secondes dans le plateau, Très rapidement, on a une gamme de choux, donc choux fleurs, choux romanesco et puis choux brocoli. Ouais, là, c'est bien de saison tout ça. Hein. Voilà, ouais, là j'ai quelques patates douces qu'on commence à produire là dans la région. Qui sont superbes. Hein. Qui sont bien belles, ouais. Après, il y a des carottes, vous voyez qu'il existe les carottes oranges, mais également des carottes blanches ou des carottes violettes. Ouais. Qui, en plus d'avoir d'autres couleurs, ont aussi des goûts qui sont différents, et c'est vraiment sympathique pour ça. Merci Yann. Regardez dans l'assiette ce qui se passe. On a les filets de truites sont prêts. Oh, génial, cuit à la vapeur, donc extrêmement diététique. Splendide, c'est de la truite du Vercors de la Drôme, hein. c'est de la truite locale, les amis, bien entendu. Et la purée qui se trouve sous la carotte, c'est quoi? C'est du pané. Du pané écrasé, simplement. Voilà, c'est une... tout simplement. Voilà, on peut le faire plus fin. Et hein. Voyez ce risotto très crémeux fait avec de l'épeautre, ce blé rustique. Voilà, qu'on voit la poire. Et Églantine est partie faire déguster au public. Oui, courageux. Non, mais je voulais justement les récompenser avec une petite soupe de saison, une soupe de carottes et une petite mousseline au-dessus à la crème pour se réchauffer. Ils l'ont bien mérité. Voilà, et on va goûter tout ça ensemble, bien entendu. Merci à Patricia d'être venue cuisiner c'est pour nous, plaisir, pour l'équipe. Merci. Merci à Sylvie Brunel, notre amie dromoise et géographe, et écrivain et cuillère. On va dire, qu'est-ce que vous en faites des choses? Elle reviendra nous voir vendredi parce qu'on n'a pas eu le temps de tout dire, d'accord? Avec plaisir. On continue vendredi. Avec bonheur. Merci à Yann d'être venu nous apporter ce beau panier de légumes de la Drôme. Les amis, on se retrouve dès demain ici sur le Champ de Mars. On espère que le ciel sera clément avec nous, bien entendu. Et je tiens à vous dire que dans quelques secondes, ce sera le 12-13. Puis météo à la carte. Météo à la carte, on va les suivre de près, croyez-moi. On se retrouve demain. Bon déjeuner à vous, chez vous et chez nous aussi, hein, bien entendu. Merci.